le retournement de face par contrôle de l'épaule et de la nuque. Pour ce retournement, le lutteur offensif vient exercer une pression sur son adversaire en positionnant son buste à la verticale de la ligne des épaules de l'adversaire. Il vient ensuite engager son bras à rebours en passant derrière l'épaule, puis positionne sa main à plat derrière la nuque de l'adversaire. La seconde main du lutteur offensif vient se saisir du deuxième appui brachial de l'adversaire. Il se décale ensuite latéralement sur ses appuis, puis il crée un levier épaule-nuque qui permet de retourner l'adversaire sur le dos en créant un couple de rotation. Ce retournement amène naturellement vers une finale costale.